Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur la table en vidéo, c'est Xavier. Aujourd'hui, recette salée, on va se faire les cuisses de canard confites, mais tout de suite, générique. Alors, pour ces cuisses de canard, il va nous falloir donc deux belles cuisses de canard à confire de 300 à 400 g chacune, du gros sel, de l'huile, une bonne branche de romarin, du poivre du moulin, de l'ail, et c'est tout. Alors on va tout d'abord mettre à saler nos cuisses de canard. On va verser du gros sel au fond de notre plat. On va venir y disposer nos cuisses de canard. On va venir les poivrer. On va prendre notre romarin, on va parsemer quelques branches, quelques brindilles, comme ceci, le romarin. On va recouvrir à nouveau de gros sel. Voilà, donc on va laisser ces cuisses de canard au sel pendant 2h30 au frais. Et retour à la recette, donc nos cuisses de canard sortent du frigo au bout de 2h30 de temps. Le sel a pompé un petit peu, vous voyez, ça a rendu un petit peu dur. Voilà, on va les égoutter, les essorer. Pour ça, on va se munir de papier absorbant. On va donc retirer le sel. Et le goût du romarin, du poivre. On va retirer tout l'excédent. Ensuite, ces cuisses de canard, on va les disposer dans une casserole. On va y verser notre huile. Alors vous pouvez utiliser aussi du saindoux, hein. Pas de souci, ce sera même préférable. Là moi j'avais de l'huile, c'est la même chose. On va mouiller donc à l'huile jusqu'à hauteur. On va se munir aussi de notre romarin, le brin qui nous restait. On va venir le couper en deux, on va le plonger dedans. Ça va donner encore beaucoup plus de parfum. Notre tête d'ail, simplement coupé en deux. Pareil, même principe. On va la plonger dedans. Et on va mettre ça donc à cuire pendant environ 3 à 4 heures de temps, donc à petit bouillon. Tranquillement, surveillez bien la cuisson. Vous verrez quand l'os commence à se démonter, que la chair part de l'os. La cuisson est parfaite. Hein.